Il est marqué dans la Gemara, tout celui qui est sommaire, qui est oula, l'itila, il est ben à Olam Haba. C'est marqué dans ma Sechvarot, dans le Daf Yomi de cette semaine. Tout celui qui rapproche la Géoula à la Tila, qui colle entre Gal Israël et la Tila, il est ben à Olam Haba. Mon internet, il avait expliqué plusieurs halakhot par rapport à cette halakha-là. Alors, on va essayer d'expliquer c'est quoi la raison qu'il est ben à Olam Haba. Rabbeinu Yonah, il explique qu'est-ce qu'il y a de tellement important que celui qui rapproche Géoula et Tfila, il fait Gal Israël, et juste après il fait la Amida, Hachem Sefatay Tiftar, il est Masnir Géoula et Tfila, alors il est ben à Olam Haba. Première raison, parce que dans la Géoula, on parle de quoi? On parle de qu'Hachem nous a sauvés de Géoula de Misraïm. Hachem nous a fait tous ces miracles qu'on est sorti d'Égypte. Alors, on sait que le but qu'on est sorti d'Égypte, c'est pas qu'on est sorti pour ne plus être esclave et faire ce qu'on veut. C'est pas ça, un Ben Israël, il fait pas ce qu'il veut. Un Ben Israël, il est le serviteur d'Hachem. Donc le but de la Yetziat Misraïm, c'est quoi? C'est qu'on après on fait Avodat Hachem. Et on sait que la Tfila, elle s'appelle Avoda. Parce que c'est marqué dans le Kriyat Shema, ou le Rovdo Bechol Levavchem, de faire le service d'Hachem avec tout votre cœur. De quoi ça parle? De quel service on parle? Là-bas, la Gemara dit, on parle de la Tfila. C'est quoi le service d'Hachem? C'est la Tfila. Parce que quand quelqu'un fait une bonne Tfila, ça veut dire qu'il est en train de bien servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, de rapprocher la Géoula à la Tfila, de quoi ça parle? Ça parle de celui qui est sommaire Géoula à la Tfila. Celui qui est sommaire Géoula à la Tfila, de quoi ça parle? Ça parle justement de celui qui a compris que la Géoula de Misraïm, juste après ça, il fait la Hamida comme il faut. Deuxième raison, c'est qu'il est Masmir Géoula à la Tfila, il fait de la même façon que Hachem nous a sauvés d'Égypte. Hachem, il nous sauve de tous les problèmes que la personne a. Donc celui qui est Masmir Géoula à la Tfila, il est bien dans la bas. Donc on répète les deux raisons. Premièrement, parce qu'il a compris que le but de qu'on est sorti d'Égypte, c'est pour faire Avodat Hashem. Donc dès qu'on est Avodat Hashem, donc on est ben à Olam Haba. Et deuxième raison, c'est qu'il comprend que le but de la Géoula, il rapproche entre la Géoula de Misraïm et sa Géoula Pratit, et donc il habite à Ron Bashem. Parce que le Ikar de la Emouna et de la Yirat Hashem, c'est quoi? C'est le but à Ron Bashem, d'avoir confiance en Hashem. C'est même si quelqu'un il a des souffrances, il est Masmir Géoula Tfila, il sait que Hashem, comme il a sauvé, comme il nous a sauvé d'Égypte, il nous sauvera de tous nos galouyotes.